Ensemble, prenons soin de vos volets roulants. Selon le décret numéro 87-712 du 26 août 1987, certaines réparations sont à la charge de l'occupant. CDC Habitat vous accompagne dans ces réparations. Comment remplacer une manivelle d'un volet roulant pour un meilleur confort? Temps, 20 minutes, budget, à partir de 20 euros. Pour cela, je me munis d'un escabeau, d'un tournevis et d'une nouvelle manivelle disponible dans tous les magasins de bricolage. Si je n'ai pas d'escabeau, je peux en emprunter un à mes voisins ou à mon entourage. Étape 1, vérifier les caractéristiques de la manivelle. Avant d'acheter une nouvelle manivelle, il est important de vérifier ses caractéristiques. Je dois prendre en compte le diamètre, la forme et la longueur de la manivelle. Étape 2, changer la manivelle. À l'aide d'un tournevis, je dévisse les fixations et je retire la manivelle défectueuse. Je conserve la vis. Il ne reste plus qu'à insérer la nouvelle manivelle avec la vis mise de côté. Et voilà, ma manivelle de volet est remplacée. Attention, si la panne provient du caisson, je le signale au choix en ligne sur mon espace locataire, à mon centre de contact client, à mon gardien ou à mon agence. Ensemble, prenons soin de vos équipements.